Shiny, let's go. We bought a ride out. Ready to go, go, ready to go, go, go. Le passage pour piétons de Shibuya, ça c'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Reconnu comme étant le carrefour le plus achalandé du monde, c'est entre 100 000 et 200 000 personnes qui le traverseraient à chaque jour. Il est situé juste entre le bâtiment 109, le Starbucks et la gare de Shibuya. C'est le centre d'un des quartiers les plus animés de Tokyo. Et ici, 24 heures sur 24, une marée humaine envahit les rues des alentours. Aujourd'hui, à part de suer ma vie, je vous dirais que je me promène pas mal de quartier en quartier. J'ai quitté Shibuya, puis je suis rendu à Ebisu, qui est une place pas mal plus tranquille, mais ça a un certain cachet en même temps. Donc, je vais me promener un petit peu aux environs. Puis c'est ici qu'il y a le siège de la brasserie Sapporo. Donc, il y a aussi un musée de la bière. Fait que je vais aller voir ça. On m'a dit qu'il y avait des bonnes petites dégustations. Il est pas encore midi, mais bon, on s'arrange. Et là, je suis rendu un petit peu plus loin. Et derrière moi, c'est la tour de Tokyo qui ressemble étrangement à la belle tour Eiffel. Puis la tour mesure 333 mètres, donc 8 ou 9 mètres de plus que la tour Eiffel. Fait que j'attends un petit peu que le soleil descende, puis je vais voir les buildings autour. Je vais essayer de monter en haut pour avoir une très belle vue. Tokyo, qui portait anciennement le nom de Edo, est devenue la capitale administrative du Japon en 1868. Grâce à une croissance phénoménale due au boom économique des années 60, 70 et 80, Tokyo est monté au sommet mondial en termes de richesse, transformant le paysage urbain de la ville avec une centaine de nouveaux gratte-ciels. Ce qui offre aux visiteurs un mélange assez hétérogène entre passé et futur, voyant d'un côté les temples et sanctuaires et de l'autre les magasins de produits électroniques high-tech les plus évolués de la planète. お待たせいたしました。このエレベーターの終点、ウッドタウン3階に到着いたします。お後恐れ入りますが、右手にございます。館内専用エレベーターか、お近くの階段をご利用くださいませ。